m'appelle Joachim Pinto, je suis chef de chantier. Lors du briefing, on parle de l'objectif à atteindre de la journée et en même temps, on y glisse toujours une part de l'éco-conduite. Moi, je veille au bon fonctionnement du déroulement du chantier tout en observant s'ils font attention à tout ce qui est ralenti, éco-conduite. En éteignant la machine, par exemple lors du chargement, utiliser les freins moteurs dans les descentes et non les freins. Le retour est très favorable et ils contribuent tous, étant donné qu'ils sont la plupart jeunes. Leur génération, de toute façon, n'aura pas le choix. Je m'appelle Sagnier Sylvain, je suis chauffeur de pelle. La mise en place de l'éco-conduite, on s'y habitue assez rapidement et ça se fait assez facilement. Pour moi, l'éco-conduite, c'est moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc moins de réchauffement au niveau de la planète aussi, et une économie au niveau carburant. Pour le climat, cette formation est très importante parce que pour faire changer le comportement des conducteurs, ça prend énormément de temps.